Wesh la Mifa, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de bilan de 2 mois de live sur stream sur Twitch. Je veux dire, putain, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire stream, frère. Bref, de live sur Twitch. Oui, aujourd'hui, ça fait 2 mois, jour pour jour, que Nano a repris les lives sur Twitch. Sérieusement, faut bien préciser le mot sérieusement. Donc, nous sommes le 5 mai 2021. La dernière vidéo de bilan d'un mois est sortie le 5 avril. 2021, donc voilà les frérots, c'est dans une continuité de 1 an. Il nous manque encore 10 vidéos comme ça pour pouvoir. Pour moi, je trouve ça normal que je vous montre la progression de Nano parce que vous faites partie de la famille, que ça soit YouTube ou Twitch. Il faut que vous soyez un minimum au courant de la progression que je mène sur Twitch, les frérots. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon tableau de bord, les frérots, mon tableau de bord. J'aurais plus besoin, mon tableau de bord, j'aurais plus vraiment besoin de vous le présenter. C'est mon espace de travail, on va dire. C'est à partir de là que je peux gérer toutes les actions qui sont effectuées dans mon live, que ce soit abonnement, follower, etc. Paiement de poids de chaîne, par exemple, les frérots. Si je paye un poids de chaîne, truc tout bête, hein, les frérots, ça vous fait rigoler. Mais attention, attendez. Par exemple, si je paye le j'aime bien, et ben voilà. J'aime bien! J'aime bien. Et voilà, il y a du j'aime bien qui arrive, qui est ajouté. Et là, vous pouvez voir que ça me montre l'action qui a été effectuée dans mon live. Bref, les frérots, donc ça, c'est les crochats, etc., etc. À partir de là, je peux modifier le titre de mon live, de l'intituler, tout ce que vous voulez. Bref, le plus important aujourd'hui, c'est l'analyse. Voilà, les statistiques de la chaîne au bout de 2 mois, les frérots. Je sais que ça vous intéresse. Je trouve ça normal de vous présenter ça pendant 1 an. C'est cette série que je me suis donnée. C'est cette idée que j'ai eue et je vais la garder. Il nous reste encore 10 mois, je vous rappelle les frérots. Donc voilà, statistique de la chaîne Twitch. Voilà, plus de suspense, on passe aux choses sérieuses. Donc vous pouvez voir les frérots que on n'a pas chômé. Nanou l'a bossé de ouf. On a même augmenté le rythme les frérots. Le mois dernier, nous étions même pas à 200 heures de stream. Nous étions dans les 189 heures, 190 heures. Mais là, en 1 mois, nous avons fait 206 heures de stream, les frérots. Vous voulez savoir c'est quoi 206 heures de stream? C'est-à-dire minimum 7 heures de stream par jour, en minimum. C'est énorme. Je sais que déjà que ce mois-ci, ça va être un peu réduit vu que je reprends les cours. Je vous rappelle que le mois dernier, c'était le confinement. Donc, on pouvait un peu se lâcher, les frérots. Donc, vous pouviez voir que mon spectateur moyen, mais tout de spectateurs moyens ont augmenté. Là, je suis à 9,3 de spectateurs moyens. Roato, les 10 spectateurs moyennes. Donc oui, les frères, vous pouvez voir que ça continue à évoluer. Nous avons gagné 311 followers. C'est juste énorme. Le premier mois, on n'avait même pas gagné 100. Je me rappelle plus. J'ai pas les résultats en tête. Mais combien de 311 followers? Et là, nous sommes à combien de followers, les frérots? Vous pouviez voir tout en bas de moi. Nous sommes à 636 followers. Et oui, c'est juste pour vous dire que oui, ça explose. Nano évolue. Et je vous remercie encore une fois, les frérots. Franchement, je pourrais que vous remercier parce que c'est grâce à vous tout ça, l'ami. C'est grâce à vous que Nano avance, que la communauté grandisse. Parce que c'est une famille, je vous rappelle, c'est la team Nano, frérot. Les frérots, c'est la communauté. Et franchement, c'est ce que je compte faire, construire ma propre communauté, ma propre famille, les frérots. Donc alors, concernant le nombre d'abonnements, nous sommes à 42 abonnements. Donc à un moment, on a eu un pic de 65 abonnements, mais les abonnements qui ont été offerts le mois dernier ont été expirés. Il y en a, ils renouvellent, et d'autres qui ne renouvellent pas du tout. Donc c'est libre à eux de rejoindre l'élite, parce que oui, être abonné à la chaîne Twitch, les frérots, c'est faire partir de l'élite. Donc concernant les revenus en 1 mois, pour le 2e mois, nous sommes actuellement à 163,75 $. Je précise bien dollars parce que oui les frérots, c'est dollars, c'est pas euros, parce que je pense que la dernière fois je me trompais un peu en disant euros. Ça veut dire qu'admettant que Twitch ils vont m'envoyer ce revenu là de 163,75 $, je vous montre directement les frérots, ça va pas être compliqué. Je mets juste convertisseur dollars. Non, on fait tout en live les frères, on fait tout en live. Franchement, pas de prise de tête. Donc convertisseur dollars, je vais juste écrire 163 €. Ouais, c'est ça, ouais, je peux faire comme ça. Donc en gros les frérots, pour avoir une idée les frérots, peut-être aller du côté verse. Pour avoir une idée les frérots, au lieu de toucher 163, je toucherai 135. Donc oui,
C'est-à-dire, plus la somme est grande, plus je touche moins. Donc voilà, parce que oui, n'oubliez pas que l'euro a plus de valeur que le dollar. Donc c'est un peu normal que, voilà quoi, on perd beaucoup de la somme. Donc bon, les frérots, c'est comme ça. Mais en vrai, de vrai, on va dire que ça. On va faire en sorte que ça ne. Je préfère ne pas penser à ça parce que niveau calcul, ça va partir trop loin. Bref, les frérots. Donc, d'où vient ma source de revenus? Nous pouvions voir juste en bas, les frérots. Alors, les abonnements payés ce mois-ci, parce que bien sûr, il y a eu le mois dernier, mais ce mois-ci, nous sommes à 30 euros d'abonnements payés. Je vous rappelle que je touche à peine 50% des abonnements payés. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que si vous payez un abonnement 5 euros, je toucherai 2,50 euros, frérot. Ça fonctionne comme ça. Même les grands streamers, c'est comme ça. Même les Gotaga, ils ne touchent pas 100%. Les Gotaga, ils doivent toucher maximum 70% parce que voilà quoi, ils sont partenaires, voilà quoi, mais ils sont partenaires, mais plus que partenaires quoi, ils sont vraiment, faut vraiment partir des top streamers français. Faut pas être n'importe, faut pas juste être partenaire pour toucher 70%. Ça je vous le dis les frérots. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Donc, comme abonnement payé, vous pouvez bien voir qu'on est à 30$, ça veut dire qu'on aurait pu être à 60$, mais bon. Twitch prend ses 4%, chose qui est normale de leur plateforme. De la plateforme, je veux dire. Donc, abonnement Prime, mais nous avons eu très peu. On a eu que ça, l'abonnement Prime, cette année. Qu'est-ce que je parle? Pas cette année, les frères, pas cette année. Ce mois-ci, donc oui, que ça, l'abonnement de Prime. Abonnement offert, vous pouvez voir qu'on a eu 62,89$. Donc oui les frérots, il y a eu beaucoup d'abonnements qui ont été offerts comme le mois dernier. Chose que je vous remercie beaucoup les frérots. C'est de l'entraide, c'est une force que vous me donnez. Donc offert la chance aux autres d'avoir un abonnement pour qu'ils puissent au moins le renouveler après. C'est vraiment juste extraordinaire. Je vous remercie encore à tous. Franchement, j'ai des noms en tête, mais j'ai pas envie d'oublier. C'est pour ça que j'évite de prononcer. Parce que oui, je retiens des noms, mais je ne vais pas prendre le risque de prononcer quelques-uns et d'oublier d'autres. Parce que ouais, quand on parle au live, les frérots, je peux vous le dire qu'on peut oublier. Donc voilà, je remercie les frérots. C'est-à-dire que également là, les frérots, encore, si j'avais touché 100% de la somme, on aurait été à 120$. Mais c'est comme ça, les frérots. Niveau pub, on peut voir que ça s'améliore. Vous pouvez voir qu'on a gagné 1,61$ au niveau des pubs. Alors que si je me rappelle bien, le dernier, en un mois, la dernière fois, on n'était pas. On n'avait pas encore touché les 1$, mais pourquoi nous avons gagné plus de dollars actuellement les frérots? Parce que tout simplement notre nombre de vues par live moyen a doublé, triplé quoi. Ça a évolué les frérots, parce que je vous cache pas que je maintenais un rythme live très élevé. Alors au niveau des shares, les shares c'est quoi? C'est les bits, l'argent virtuel de Twitch. Donc au niveau des bits, j'ai reçu 66$ de bits. Je remercie encore à vous tous qui m'ont fait des dons de bits. Et puis après, il y a vente de jeux extensions. Ça, j'ai touché aucun dollar dessus. Donc voilà, les frérots. Ça fait vraiment super plaisir. Il n'y a rien à dire sur ça, les frérots. Si vous voulez, on peut voir mon dernier résumé, le résumé de mon dernier stream. Parce que oui, les frérots, Nanou m'a diminué les temps de stream. Puisque malheureusement, les coureurs ont repris. Donc là, vous pouvez voir que le stream, il a duré environ 3 heures. Voilà, il a duré 3 heures. Nous sommes quand même à 173 vues. Ouais, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Parce que je me rappelle, Nanou il le sait, et là on est quand même à 9 spectateurs de moyenne. Ça me fait vraiment super plaisir parce que je me dis que il y a un mois on n'était pas là, et là on se retrouve à 9 spectateurs de moyenne. Et encore les frères, c'est 9 spectateurs de moyenne. C'est-à-dire qu'on pétait des pics de 17, on pouvait rester constant, pendant 20 minutes, 20, 15, 30 minutes, on va dire qu'on peut rester à 13, 14 spectateurs, mais quand ça baisse les frérots. Donc voilà, donc franchement les frérots, vous pouvez voir que ça s'améliore, 8 followers lors du dernier stream. Le plus gros résultat que j'ai fait, c'est plus de 40 followers, 41 ou 42 followers en un stream. Bien sûr, ce stream c'était différent, il a duré 10 heures, j'aurais pu vous refaire ces mêmes stats sur le stream. Mais bon, il faut pas déconner non plus les frérots, faut penser aux études. Si on pense pas aux études, ben comment on fera plus tard? Faut au moins assurer quelque chose derrière. Donc je vais me battre. Oui, les frérots, Nanou il va se battre pour avoir son BTS. Parce que je suis en BTS, service informatique aux organisations. Et les frérots, oui. C'est chiant. Parce que oui, t'as pas forcément envie de passer ta life. J'ai quand même 19 ans, j'aurais 20 ans en fin d'année. J'ai pas forcément envie de continuer à étudier. Mais je me dis, écoute, 2 ans encore. Enfin, 1 an et demi encore. Et c'est fini. Donc autant essayer. De pas lâcher pour pouvoir obtenir soit BTS et frérot. Donc voilà la MIFA, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'était un bilan global de ce mois-ci. Si vous pouviez voir, si vous voulez, on peut regarder
le bilan de 2 mois en 2 SPI, juste en dessous de 2 SPI, franchement, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Alors, le bilan de, en 2 mois, je peux, si vous voulez, je peux aller sur avril, donc alors avril, alors, le 5 avril, du 5 avril, non, même pas, c'est du 5 mars plutôt, du 5 mars, je m'excuse les frérots, du 5 mars, au 5 mai, et vous pouviez voir qu'on est quand même à 64€, 392 followers, spectateurs de moyen 7,4, parce que oui, le premier mois, nous n'étions pas forcément à des spectateurs de moyen très élevés. Enfin, je dis pas que 9, je sais pas quoi de spectateurs de moyen c'est élevé, mais je peux vous assurer que voilà quoi, c'était pas foufou le premier mois. Vous pouvez voir 334 heures de stream, c'est juste énorme les frérots. Pour moi personnellement, c'est énorme. Donc il faut qu'on continue à fournir des efforts, à passer du temps sur les lives. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait évoluer. Comme abonnement, en 2 mois, nous avons eu 72 abonnements. Bien sûr, là nous sommes pas forcément à 72 abonnés vu que il y a des gens qui n'ont pas encore renouvelé leur abonnement, les frérots. Donc là, vous avez la preuve, oui, vous avez la preuve que ça évolue. Donc voilà, les frérots, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si ça vous aura fait plaisir, je vous invite vraiment à lâcher un like, vous abonner, activer la cloche de notification. Allez nous visiter sur les réseaux sociaux parce que Winanou, il est actif sur Instagram. Que ce soit Instagram, TikTok, Twitter, franchement partout. Et n'hésitez surtout pas à aller check le Discord. Franchement, cliquez juste sur le lien, ça vous envoie direct. Vous faites une téléportation dans le Discord. Allez-y les frérots, c'est très important. Vous pourriez discuter avec moi à partir du Discord. Et franchement, je peux vous conseiller de rejoindre la MIFA sur Discord parce que c'est quand même un chat général. Bien sûr, il y a bien d'autres choses dans le salon Discord, dans le serveur Discord, mais c'est quand même un moyen de s'approcher du mieux que vous pouvez de Nano pour mieux discuter. Et ne vous inquiétez pas les frérots, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, etc., je réponds aux DM partout. Je peux prendre deux jours maximum, pour vous répondre. Mais je réponds les frérots. Sinon, c'était Nano, moi je vous dis ciao, bye, see you there. Peace.